Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Et en ce samedi matin, petite nouveauté qui sera un rendez-vous régulier sur la chaîne, c'est du sport et du jeu vidéo, c'est du fitness, tout en finesse, c'est Ring Fit Adventure sur la Nintendo Switch, histoire de montrer que les gamers savent prendre soin d'eux à travers le jeu vidéo aussi, savent faire de l'effort physique, et plus personnellement, que je fasse un peu plus d'efforts moi de mon côté, parce que je ne suis pas un sportif de base, hein, ça doit se voir, mais je sais que j'en ai de plus en plus besoin, c'est une question importante je trouve, surtout actuellement. Voilà, donc Ring Fit Adventure, on est sur le menu principal, enfin en tout cas ce qui vient de s'ouvrir, c'est la première fois que je lance le jeu, donc enfin le jeu et les sessions de fitness, parce que c'est pas qu'un jeu, c'est vraiment des vrais efforts de fitness, des vrais entraînements de fitness pour prendre soin de son corps. C'est pas des blagues. Donc pour l'instant, ça me dit de préciser. Donc je suis déjà équipé, hein. Il y a le ring code ici, hop là, à ma jambe, hop là, je vais essayer, je suis pas très souple, pardon, hop là, il y a le Joy-Con gauche, et voilà. Donc là, ça me dit de presser sur le Ring-Con, du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop là. C'est pas simple. Hein. Utilisation du Ring-Con. C'est bon, il est bien placé. Info sur la santé. Faut bien s'échauffer. Rester dans ses propres limites. Arrêter si on est vraiment trop fatigué, s'il y a des douleurs à la poitrine, des vertiges, etc., etc. Pratiquez votre activité physique dans limites raisonnables et évitez les efforts excessifs. Bien entendu, à côté de moi, j'ai ma gourde d'eau parce que c'est important. Il faut s'hydrater pendant l'effort. Voilà comment ça se présente. Donc là, c'est l'aventure, c'est ce que je vais vous proposer, mais aussi des mini-jeux rapides. Combinez vos exercices préférés et entraînez-vous à votre rythme. Voilà. Multitâche. Faites de l'exercice avec le Ring-Con tout en regardant une vidéo ou la télévision. Alors ça, c'est sympa. C'est un truc, en fait, c'est on peut laisser la Switch en veille, mettre le Joy-Con sur le Ring-Con et s'amuser à faire des pressions sur l'épaule, sur le torse, comme ça, tout en faisant autre chose. Et ça garde en mémoire et ça peut nous aider dans l'aventure ensuite. Et ça, c'est chouette. Jeu de rythme, bon, le nom veut tout dire, hein, évidemment. Brin de Cosette, ce sont des trucs et astuces relatifs à la santé et au fitness. Voilà, et à la carte, c'est vraiment l'entraînement, c'est le programme de fitness en fait. Alors, direction l'aventure. Ah, on peut paramétrer une alerte aussi en haut, là-haut, là, c'est quoi ce côté droite. C'est-à-dire que même si la Switch est en veille, ça veut dire que tout est régulièrement, et on aura une petite alerte pour dire bon, allez, c'est l'heure de faire du sport. Normalement, c'est quelque chose qu'il faudrait faire au quotidien. Dans un premier temps, ce sera une fois par semaine pour ma part, par la suite, on verra. Allez, let's go. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Espace nécessaire. Hop là, je pense que je me suis bien positionné. Échauffement. Bienvenue dans Ring Fit Adventure. Vous allez découvrir le Ring Fitness, c'est-à-dire le fitness avec un Ring Con, ce que j'ai dans les mains, tout en vivant une grande aventure. Donc c'est ludique en plus. Au fait, il y a une chose très importante à garder en tête lorsque vous faites du Ring Fitness. Il s'agit de votre posture. La posture, tiens, le dos. Parfois, on pense exactement faire ce qui est indiqué, mais si on n'adopte pas la bonne posture, l'exercice peut s'avérer moins efficace. Je vais donc vous présenter, sans plus tarder, une pointure de la bonne posture. Voici Posi. Ok. Il fait de la poésie, il ou elle. Posi vous indiquera toujours quelle est la bonne posture à avoir. Si vous réalisez vos exercices avec la bonne posture, vous pouvez vous attendre à de meilleurs résultats. Suivez donc bien les démonstrations de Posi pour tirer le maximum de vos séances de Ring Fitness. Commençons par les commandes de base. Imitez Posi pour déplacer le curseur verticalement. Ok. Attends. Ok, j'ai compris. Donc on peut quand même utiliser le Joy-Con. L'intensité. Quelques questions. Bon, je suis masculin, dernière nouvelle. Mon âge, ouais, je pensais pas montrer ça en stream, mais bon, c'est pas grave. Enfin, en même temps, la plupart d'entre vous le connaissent maintenant.
Ah, c'est avec le... Donc... 31. Pour le moment. Par rapport aux gens de votre âge, quelle quantité d'exercice vous faites? Je fais un peu de vélo. Un peu, on va compter. Quel niveau de difficulté souhaitez-vous pour vos exercices? Raisonnable. Sérieux, extrême, non. Clairement, je ne suis pas du tout de ce niveau-là. Tranquille, j'ai peur que ce soit un peu trop mou. On va y aller raisonnablement. Histoire quand même que le corps travaille. Oui, ça me convient. J'ai l'impression de vous connaître un peu mieux. Ok, l'intensité d'exercice qui vous convient a été calculée. Si cela vous semble trop facile ou trop difficile, ne vous inquiétez pas. Nous ajusterons l'intensité tous les jours. Tous les jours, voilà, donc au quotidien quoi. Ah, ça non plus, je pensais pas le montrer en stream. Bon bah écoutez, tant pis, vous le saurez. Oui. On se moque pas, mais en effet, je ne fais que 50 kilos. J'ai repris le poids perdu, mais j'ai pas tout repris non plus. Lors de vos séances, vous devrez courir sur place. Si vous avez peur de déranger en faisant du bruit, vous pouvez sélectionner le mode silencieux. C'est quoi le mode silencieux? En mode normal, votre personnage court lorsque vous-même vous courez. En mode silencieux, vous faites courir votre personnage en faisant des flexions. Une démonstration. Pas besoin de courir, ce qui réduit les vibrations au sol. Non, on y va en normal, on est là pour souffrir. Hop là. On peut changer le mode à tout moment. Nous allons paramétrer le Rincon et la sangle de jambe selon votre force. Réglez la sensibilité du Rincon en mesurant votre compression et votre force de compression et d'étirement. Commençons par votre force de compression. Tenez le Rincon à deux mains et pointez-le devant vous. Compressez le Rincon avec force. Je suis déjà crevé. C'est pas simple, hein. Passons à la force d'étirement. Tenez le Rincon à deux mains et pointez-le devant vous. Étirez le Rincon avec force. C'est déjà plus difficile, ça. Réglage de la sangle de jambe. Petite foulée. Est-ce qu'elle est attachée? Oui. Écartez légèrement les pieds et gardez le dos droit. Courez sur place en petite foulée, okay, on commence en à courir. Faisant attention à ce qui vous entoure. Okay. Foulée rapide. Ah mais j'ai dit petite foulée. Oh, mince. J'aurais dû être plus lent. Écartez légèrement les pieds et gardez le dos droit. Courez sur place en foulée rapide. J'aurais peut-être dû mettre des chaussures, je suis en chaussettes. Je suis déjà mort. Étirement dynamique. Avant tout exercice, il faut faire des étirements dynamiques. Ce type d'étirement peut vous donner de la flexibilité. Oui, en même temps. Je suis déjà essoufflé. Avoir un exercice physique, ces étirements permettent de vous échauffer, ce qui peut contribuer à prévenir les blessures survenant quand les muscles sont raides. On va pas se faire un claquage. Vous imaginez un claquage en stream? Ils sont différents des exercices statiques, lors desquels on s'étire en maintenant une position. D'accord. Les uns sont pour s'échauffer, les autres pour récupérer. La posi qui s'endort, quoi. Ok. Commençons. Tâchez d'imiter les mouvements de Posy sans forcer. En avant la musique. Imitez les gestes de Posy. 3, 2, 1, c'est parti. Levez alternativement les genoux pour toucher le Rincon. Ah, il faut le toucher. Gardez le dos bien droit. Ah, gardez le dos droit. Une dernière fois.
Bien. Par contre, je monte pas les bras en haut. L'exercice suivant tricher, là. Consiste à monter les talons. Les talons. Levez-les alternativement pour toucher le ring pong. Ah, c'est plus dur. Orientez bien l'intérieur de vos chevilles. Ouais, mais je suis pas assez souple, moi. Du gauche, oui, mais du droit, j'ai Une du mal. Dernière fois. Bien. Passons aux étirements Aïe. Du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. Attention à ne pas trop avancer les genoux. Je crois que je me suis trompé. Assurez-vous d'avoir les orteils pointés vers l'avant. J'ai du mal à garder les bras une tendus quand même. Une fois de chaque côté. Bien. Oh là là. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le ring cone et penchez-vous sur le côté. Faites en sorte de garder le bas du dos bien droit. Ah bah t'es gentil, le bas du dos droit quoi. Je peux pas. Penchez-vous tout en expirant. Une dernière fois de chaque côté. Beau travail. Je suis décédé. Allez, vous avez de l'eau? Oui. Une serviette? Non. On ira à la douche après. Choisir l'apparence du personnage. Oui. Voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, c'est parti! Let's go. Vidéo d'introduction. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait le ring cone, ou l'anneau unique, ou les deux. Jake. C'est bien à toi que je parle. Libère-moi. Danger. Col Yoko, tout le monde connaît. Chargement. Étirement. Ah, faut que je l'étire. Et ouais. Allez, là, c'est parti. On libère le démon là, c'est sûr et certain. C'est le mal. Mais qu'as-tu fait? Wow. Voilà, il est badass. Bon. Il a une tête rigolote quand même. Stupide créature si naïve. Wearing, à présent, l'heure de régler nos comptes a sonné. Mais bientôt, ma puissance sera totale. Et je ne laisserai plus personne se mettre en travers de mon chemin. Drago, attends! Drago? Il s'appelle Drago? Ok. Oh! Pardon, j'ai dû vous faire peur. Celui que vous venez de voir, c'est Drago, un dragon à l'aura maléfique. Quand je pense qu'il lui restait encore une telle force... Moi, c'est Ring. Cette aura maléfique que Drago dégage peut mener le monde à la folie. S'il parvient à la répandre, cette aura recouvrira tout et causera 1000 désastres. Mes pouvoirs ne suffiront pas pour l'en empêcher.
dites-moi, vous ne semblez pas venir de cette contrée. Mais... voyons voir. Ouais, ça pourrait marcher. Je sens un potentiel. Voulez-vous bien placer votre main droite sur moi? Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Il y a une caméra infrarouge. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Ça prend le truc cardiaque? Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! C'est quoi cette coupe de cheveux? Super Saiyan. Synchronisation terminée! D'accord, il est content, il est synchro. Nous sommes en phase maintenant. Partons à la poursuite de Drago. D'accord. Bah le sport va sauver le monde, hein. Écoutez. Hein? Y a un problème? Rassurez-moi, vous venez avec moi? Pas vrai? Bon, est-ce qu'on a le choix? Plus vous vous entraînerez avec ardeur, plus nous serons synchronisés et plus la flamme de votre chevelure brûlera. Ouais, mais mettre le feu à ses cheveux, c'est peut-être pas une bonne idée. Je compte sur vous. Chapitre 1, là où tout commence. Que fait Drago là-bas? Alors derrière la caméra, c'est Ring qui parle. Il faut battre les muscles tant qu'ils sont chauds. C'est bien ce que dit le proverbe, donc ouais, c'est pas tout à fait ça. Allez! Allons-y, vous et moi, on peut le battre. Dirigez-vous vers l'endroit marqué d'un point d'exclamation. Ah, ok. Niveau 1. Quelque chose émanait de Drago. Une sorte de halo violacé, comme ça. Comme c'est écrit derrière la caméra. Ah oui, c'est rigolo. Vous vous souvenez? C'est l'aura maléfique qui s'insinue dans les fissures de l'âme pour prendre possession de son hôte. C'est pour cela que nous devons arrêter Drago le plus vite possible. Cela fait beaucoup de choses à avaler, et vous n'y comprenez probablement pas grand-chose. En effet, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Prime Terre, atteignez l'arrivée. 2 minutes. 540 mètres. 9,40 kilocalories. Il y a un système de vie quand même. Plus récupération. Ah, on peut faire... il y a des phases de récup quand même. Bon, faut faire quoi? Oui, c'est ça, je vais faire une capture d'écran. Ouais. Enfin, quoique, il y a... ouais, je pourrais à la limite. Le décor est très beau par contre, hein, franchement. Atteignez l'arrivée. Course. Allez, c'est parti! Il y a une porte un peu plus loin. Commençons par nous y rendre. Essayez de me compresser. Ok. C'est une arme en fait. Hey, vous pouvez tirer au canon à air. Essayez de vous en souvenir. Avec le canon à air, vous pouvez aussi tirer sur les côtés. Raté. Ah, c'est comme ça, d'accord. La visée vous semble défectueuse, inclinez-moi vers le bas pour la recentrer. D'accord. Tiens, on approche d'une porte. Tiens. Superbe. Oh, il y a un obstacle. Essayez de m'incliner vers le bas et de me compresser. Oh, ouais, d'accord. Pas mal. Pas compressé. Super!
les escaliers, on avance plus vite en levant les genoux bien haut. Parfait. Génial. Ah putain. Pardon. C'est quoi ça? Tirez fort sur mes deux poignets et vous pourrez aspirer tout ça. Ok. C'est ça. Bon, en route. Léger, tranquille. Bravo. Vous l'avez fait. À présent, convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. C'est quoi ça? Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion, mais attendez, étirez votre corps vers le but. Ok. Allez, go. Je pense que c'est faussé, ça. Peut-être pas. C'est peut-être pas faussé, non. Estimation en tenant compte de votre âge. Merci de me rappeler. Ouais, j'ai dépensé plus de calories que ce qui est indiqué. Petite pause gourde. Non, c'est pas... Bon, je voulais pas faire de capture d'écran, pardon. C'est pas grave. De l'eau. Allez. On est reparti. Oh, j'ai pas passé le niveau 1. Oh zut. Oh. Je suis déjà mort, hein. Je rigole pas. Hein. Bon. Rien ne sert de parler, il faut courir à point, partir à point, continuons comme ça. Allez. Let's go. 4 minutes. Oh, j'aurais peut-être dû me poser un peu plus, je pense. Au secours. Ok, go. Petite foulée. Sale bête, c'est quoi ça? Basse. Essayez de m'incliner vers le bas et de me maintenir compressé. T'es. C'est pas facile ce truc-là. Bravo. Ah, il y avait un autre chemin. Oh bon. Il y avait un autre chemin. C'est quoi ça? J'étais sûr qu'on n'y échapperait pas. Un sbire. Pour battre les monstres créés par Dragon, vous devez prendre part à des combats de fitness. Oh. Combats de fitness. Oh putain. Pardon, punaise. J'ai une note. Pas d'inquiétude pour les combats de fitness. Vous pouvez compter sur moi. Ouais, mais il va pas faire l'exercice de ma place. Lors des combats de fitness, les adversaires s'affrontent avec de l'énergie sportive. Ok. En guise d'échauffement, commençons par battre ce monstre. Une technique, ouais, ok. Ok. Choisissez une technique.
Ah ouais. Allez, les squats en premier. Squat. C'est parti. Faites travailler vos jambes. Super. Bravo. Ah, mais je lève les talons, c'est pas bon. Continuez comme ça. Ah, j'ai le Joy-Con sur la cuisse qui arrête pas de vibrer, c'est un peu désagréable. Bien. Essayez de vous surpasser. Vite. Superbe. Encore trois. C'est bien. Super. Une dernière fois. Ok. Oui. Et il y a que la moitié de la vie du monstre. Bouclier d'abdos. C'est quoi ça? Ok. Oh. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Mais j'ai perdu de la vie. Choisissez une technique pour attaquer. Ok. Pression triomphale. C'est parti. Ne levez pas le menton. Ne levez pas le menton. Superbe. Excellent! Appuyez plus fort sur le Rincon. Plus fort? C'est mieux. C'est bien. Et en plus, ça détecte quand tu fais mal l'exercice, quoi. Bien joué. Très bien. Bon travail. Super. Très bien. Super. Allez, un peu plus vite. Bon travail. Ah, le décès, au secours. Joli combat. Ah, j'ai pas, je suis passé au niveau 2, super. Je gagne en attaque et en défense. Ok. Je suis en nage. Je rigole pas, je suis en nage. Et nage, N-A-G-E, tout attaché, bien sûr. Allez, go. Oh, il y a des cœurs. C'est gentil. Oh, punaise. Aïe. J'ai pris le talon dans l'étagère. Le sol s'effondre. Dépêchez-vous. Merde. Continuez comme ça. Ah. Bel effort. Oh non, pas ça. C'est pas allé assez vite. Oh, mais j'ai pas le temps de récupérer, moi. Bien, choisissez ouais, une technique. Ouais, go, les squats. Squat. On y va. Pliez les jambes en expirant. Bien. Fantastique. Bravo. Excellent. Superbe. Excellent. Continuez comme ça. Ouais, c'est ça. Joli. Super. Bien. Passons à la vitesse supérieure. Très bien. Tenez bon. Eh bien. Encore trois. Bon travail. Bon travail. Une dernière fois. Joli. Oui. Oh, secours. Choisissez une technique pour attaquer. Oh, mais ça, il va y avoir des soucis de caméra. Ouais, ça, allez. Posture de la chaise. C'est quoi ça? Faut y aller lentement. Penchez lentement. Penchez lentement.
Bien, encore un peu plus bas. Revenez lentement à la position de départ. Concentrez-vous sur votre posture. Oh mon dieu, les cuisses! Beau mouvement. Quarante techniques différentes, c'est yoga, musculation et d'autres exercices. Oh le décès! Oh, plus de techniques avec la progression, ok. Allez, où c'était censé durer 4 minutes, c'est en plus 6 quoi. Bien. Allez, finito. Voilà. Vous l'avez fait. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Ça me fait bizarre de voir une courbe négative. Non, c'est pas vrai ça. Je suis à double facile. Ça, c'est pas vrai ça. Ah oui, largement. Niveau 3. Wow. Plus ça va, plus ça demande de l'XP. Hein. Vous êtes superbe. Non, non, vu mon état, je suis pas superbe. Je suis en nage. Rien ne sert de parler. Oui, bah, tu l'as dit tout à l'heure. Drago ne soupçonne pas votre puissance. Il ne doit pas se méfier. Appuyez sur le menu. Ok. Ok. Bon. Direction le boss. Mais je vais prendre cher en fait. Boire. Allez. Oh. Vous avez mal au genou? Ah ben, est-ce que vous avez pris le temps de vous hydrater? Justement, je viens de le faire. Dès que vous sentirez d'attaque, inspirez profondément. Et mettez-vous en route, profondément. Let's go, c'est parti. Ça va être long. Ça va être très long. Les techniques vertes correspondent à des postures de yoga. Allez. Arrêtez de prendre ça. Alors, ça arrête pas de clignoter, ça me perturbe. Ouais. Oui, bon, donc j'ai... Bon, bah, du coup, je suis démasqué. Ça a été, oui, je suis en retournage de ce qui a été fait en vrai samedi matin. Je refais exactement la même chose parce que, vu qu'il y a eu le décalage de stream, c'était pas beau à voir. Donc je refais comme si c'était du vrai stream. Vous avez rien vu. Allez, go! Petite foulée. Je l'ai pas eu. Quel lourd gosse, Drago. Qu'est-ce qui lui a fait d'installer des escaliers comme ça ici? Génial.
Tu crois que je fais quoi, là? Viens, continuons comme ça. Et il se fout de ma gueule, en plus. Allez, go. Laisse-le en dehors de ça et écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Ah oui, je fais ça tous les matins. Pas vrai. Ah oui, y a pas le chrono derrière la caméra. Choisissez une technique pour attaquer. Ouais, go squat. Squat. Punaise, la vie qu'il a. C'est parti. Gardez le bassin poussé vers l'arrière. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. C'est mieux. C'est bien. Je lui enlève pas beaucoup de vie. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Choisissez une technique. Ouais, allez. Pression triomphale. On y va. Pliez les poignets pour avoir plus de force. Super. Continuez comme ça. Super. Super. Très bien. Bien joué. Très bien. Super. Excellent. Joli. Excellent. Bravo. Génial. Bon travail. On accélère. Magnifique. Joli. Encore trois. Bon travail. Bravo. Une dernière fois. Bien. Excellent. Tenez bon. Non, pas ça, non. Ouais, allez, ça. Posture de la chaise. Penchez lentement. Bien, encore un peu plus bas. Travaillez les muscles du bas du corps. Oui. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Il m'a fait cher, là. N'oubliez pas de rester hydraté. Rester hydraté, ouais. Et squat. Squat. On y va. Cet exercice fait travailler de nombreux muscles. Thank you.
Passons à la vitesse supérieure. Super. Encore trois. Continuez comme ça. Tenez bon. Une dernière fois. Ok. Bien. Bien. Maintenant, choisissez une technique. C'est parti. Vous devez sentir votre abdomen qui travaille. Fantastique. Bon travail. Excellent. Formidable. Bon travail. Parfait. Fantastique. Bravo. Appuyez plus fort sur le Rincon. Essayez de vous surpasser. Bien. Encore trois. Excellent. Très bien. Une dernière fois. Joli. C'est ça. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Ne baissez pas la garde. Oh. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Posture de la chaise. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de départ. Cet exercice fait travailler les muscles du tronc. Oui. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Pression triomphale. C'est parti. Ne levez pas le menton. Bien joué. Fantastique. Oui. Fini. Oh, yes. Vous avez réussi. Impressionnant. Absorbez l'énergie du sol. Relâchez vers le sphincter. Voilà, ça c'est crédible. J'en peux plus. Je suis content. Cool. C'est fini. Oui, arrête. Oui. Je suis pas suicidaire.
Wow. Bien. Oui, est-ce que oui, c'était cool, je dis. Je suis KO. Vous allez transpirer, si vous avez froid, allez vous changer. J'irai après. Temps de prendre une douche. Je suis. Je sais pas si ça se voit, mais. Il y a. Ouais. C'est très. Oh, le dos peut-être. Attendez, je regarde. Ouais, le dos, ça se voit plus déjà. Je sais pas si c'est. Ah oui, là quand même, ça se voit plus, oui. Regardez-moi ça, quoi. Je peux boire ou pas? Résultat du jour. Quelques étirements. Statique. Ah oui, c'est la phase de récupération. Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Écartez les jambes, levez les bras et tenez votre poignet gauche. Tirez sur le poignet et inclinez-vous à droite pour étirer votre flanc. Reprenez la position initiale, puis changez de main et de côté. Étirez-vous lentement, sans forcer. Revenez lentement. Étirez le bras gauche sur le côté et tenez-le avec le bras droit. Tirez sur le bras pour étirer les muscles de l'épaule gauche. Ouais, il y a des astuces pour manger. Je l'ai pas vu. Les légumes, c'est bien. Même chose de l'autre côté. Attention, votre bassin ne doit pas pivoter. C'est génial. Je suis content pour savoir ça pour l'ail. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Tournez vos paumes vers l'avant et étirez votre dos. Revenez lentement. Croisez les jambes avec la jambe droite en avant. Inclinez-vous en avant pour étirer l'arrière ça, de la jambe gauche. Ça, j'ai pas le droit de faire. Bon, c'est pas grave. J'y vais. Tranquille. Gardez la position encore un instant. Je peux pas aller plus loin que ça, vraiment. Là. Redressez-vous et changez de jambe. Ça, j'ai été opéré du bas du dos en début d'année, donc il y a des exercices que je n'ai plus le droit de faire. Étirez l'autre donc, côté de la même manière. Tranquillement pour ça, je force pas. Pas plus que ça. Gardez la position en respirant lentement. Parce que j'ai eu une sciatique, hernie discale, enfin tout ce qu'il faut quoi. Redressez-vous lentement en partant du à bassin. À cause du premier confinement. Est-ce que je restais resté assis trop longtemps? Je bougeais pas avancez trop lors la du premier jambe droite et posez les mains sur les hanches. Pliez le genou droit pour étirer le mollet de la jambe donc, gauche. Sciatique. Pas mal d'antidouleurs et tout, kiné, etc. Mais ça n'a rien fait. Morphine, codéine, opium, etc. Et puis au final. Changez de jambe. Même avec. Déplacez votre poids vers l'avant et étirez l'autre côté. J'aurai une piqûre d'antidouleur directement dans le bas du dos. L'automne dernier, ça n'a pas suffi. Du coup, en février, j'ai eu droit à l'opération. C'est une belle cicatrice. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Je vous montre vite fait la cicatrice. Je ne sais pas si ça va se voir. Elle est là.
Donc c'était quand même du sérieux quoi. Donc il y a certains exercices aujourd'hui que je n'ai plus le droit de faire. Plus du tout. Et j'ai perdu énormément en sensibilité du coup, vu que ça m'a touché tout le long, notamment la droite. J'ai la jambe droite, le pied droit, j'ai beaucoup moins de sensibilité qu'avant par rapport à maintenant. Si, par exemple, si je m'écrase le pied du bras, le pied gauche, je vais sentir quelque chose. Si je m'écrase le pied droit, je sens quasiment rien. Bon après, faut pas que je me pose une enclume dessus, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, c'est parti. On va pouvoir se reposer. Ah, un brin de causette. Ok. C'est sympa cette phase de récupération, j'aime beaucoup, en vrai. Comment faire pour avoir la forme? Manger équilibré. Bon, ça. Faites de l'exercice. Bah, c'est le but de ces rendez-vous, de toute façon. Jetez un coup d'œil ici pour en savoir plus. Comment garder un mode de vie équilibré? Essayez de rester actif pour aider votre corps à garder la forme. Suivez ces recommandations. Équilibrez votre alimentation. Buvez beaucoup d'eau. Restez en mouvement. Prenez l'escalier. Marchez, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut que je fasse plus souvent. Dormez beaucoup. Ça aussi, il faudrait que je dorme de manière plus complète. Parce que de base, je ne dors pas très très beaucoup. Très française. Écoutez votre corps. Maintenez toujours votre activité physique dans les limites de l'agréable. Évidemment, il ne faut pas non plus pousser au-delà de ses limites. C'est dangereux sinon. Comme pour tout. Nous avons terminé avec la récupération pour aujourd'hui. Petit conseil pour préparer votre prochaine session. Si les batteries des manettes Joy-Con sont faibles, pensez à les charger. Mais ça, c'est pas un souci. Par contre, je pense à charger mon micro-cravate lavalier que j'ai pris exprès pour ces choses-là, enfin ces rendez-vous-là et d'autres choses aussi. Et donc ça, c'est l'émetteur, il est là, avec le micro là, et le récepteur, il est en bas ici, vous ne le voyez pas, et directement après au PC. Mais ça va être utile pour d'autres choses, vous verrez. À la prochaine. Bon, les alertes, on a déjà vu. Non, mais je veux pas paramétrer d'alerte. Il faut que j'arrête d'appuyer pas sans faire exprès sur ce truc. Hein. Voilà. Voilà pour ce premier rendez-vous. Il y a d'autres choses dans les brins de causette ou pas? Non. Le reste, je vous l'ai déjà expliqué. Jeu de rythme, c'est un jeu de rythme, tout simplement. Multitâche, je vous l'ai dit, à la carte, c'est vraiment le vrai programme de fitness, on verra ça peut-être plus tard. Et ça, c'est des exercices sans passer par l'aventure. Mais ce qui nous intéresse, nous, vraiment, là, c'est mêler le jeu vidéo avec l'exercice physique. Et je trouve que ça, c'est génial, c'est super bien pensé. Voilà, c'était Jake pour ce petit rendez-vous. Je vous retrouve dans pas très très longtemps. Suivez les réseaux sociaux Iva Sound Studio pour vous tenir au courant de toutes les actualités, des plannings, de ce qu'on peut faire en live. Et des autres choses qu'on peut faire hors live, parce qu'il y a aussi d'autres choses. Donc allez jeter un œil sur YouTube, tiens, au passage. Et en plus, il y a des choses qui vont arriver sur YouTube. Voilà, abonnez-vous, c'est le moment, septembre, tout ça. Donc c'est le moment de soutenir vos streamers préférés et streameuses. Ouais, le Discord, je l'ai dit. Bah, la semaine prochaine, avec plein de rendez-vous dans la semaine. Et samedi matin, prochaine session de Ring Fit Adventure. Et voilà. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous, mangez équilibré, faites du sport et le jeu vidéo, c'est pas si mal, la preuve. Allez, bon week-end, cordialement. Bisous!